Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Keyos. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme tous les samedis, maintenant vous le savez, pour le On vous fait plaisir du samedi. L'occasion, attendez, j'ai préparé une petite feuille avec les indices, voilà, l'occasion de revenir aussi sur la difficulté des énigmes parfois. Enfin des énigmes, bon c'est pas des énigmes, mais on se comprend. Parfois c'est simple, parfois c'est dur, parfois c'est trop dur, parfois c'est trop simple. Bah aujourd'hui je vous garantis, ce sera facile. Franchement ce sera facile. Du coup... En fait, voilà, pour faire un peu de temps dans la vidéo, hein, pour donner les indices, tout ça, on va lire un peu ce qu'il y a à l'arrière de chaque booster. Écoutez, et puis voilà. Du coup, on vous fait plaisir, un booster à gagner, vous choisissez la série. Voilà, c'est donc il y aurait du noir et blanc noble victoire, de l'explosion plasma, du destiné futur, du tempête plasma, du glaciation plasma et du legendary treasure qui est une série superbe. Du coup, voilà, uniquement en anglais, bien entendu. Du coup, voilà, ça c'est ce que vous pouvez essayer de choper en répondant correctement à la super énigme qui tue tout et dont le premier indice est c'est un Pokémon imposant. Voilà, voilà. Donc du coup. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes réponses. Voilà, ça changera un peu de la semaine dernière. Et puis voilà. Du coup, en même temps, n'oubliez pas que, voilà, en fait, cette vidéo va vous servir, en fait, de poser toutes les questions que vous avez envie de nous poser. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en poser, hein, vous voyez, mais si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, en fait, à les mettre en commentaire, et on y répondra, donc, pour soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines si on veut faire un truc un peu plus gros avec les réponses, à savoir donc une petite FAQ, voilà, une foire aux questions, la première donc sur la chaîne, donc voilà, comme ça au moins vous le savez, vous êtes prévenus, donc si vous avez des questions, allez-y, nous on y répondra et vous aurez bah, toutes les réponses, voilà, comme dans toutes les FAQ bien entendu. Donc on va commencer, on va peut-être pas tout lire non plus en fait, sinon ce sera peut-être trop long, on va surtout lire les séries que j'adore. Ces quatre là, voilà, ces quatre là je les surkiffe, surtout Tempête Plasma. Voilà, allez, on va commencer avec le petit Glaciation. Non en fait je suis même pas sûr qu'on va les lire. Après j'ai peur que ce soit trop long au niveau de la vidéo. Bon en gros voilà, l'assaut glacial de la team Plasma sur Unis se poursuit. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah tiens, je sais ce que je vous ferai. Je vais vous présenter votre booster, voilà, comme ça, voilà, hein, donc comme cela. Et bien entendu, vous verrez partout. Voilà, c'est magique. Les meilleures cartes donc de ce booster hein, qui peuvent sortir. Donc voilà, tac, on va faire pareil avec le Tempête Plasma. Ah, c'est beau la technologie quand même, c'est énorme. Donc voilà, donc le Tempête Plasma. On va pas le faire pour Legendary parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a trop. Mais du coup, voilà, donc si jamais le booster vous intéresse, hein, tac. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans par contre, juste... je sais qu'il y a Mewtwo, voilà, Mewtwo il a de la gueule quand même. Ah, ils le disent même pas en fait ce qu'il y a dedans. Ah ah. Ah ah, ils le disent pas. Ah, les petits chacripants. Oui, c'est un Pokémon. bon, on sait ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est juste... bon, hein, voilà. Donc, tac, je vous donne le deuxième indice, parce qu'on va quand même... Franchement, je le trouve très très vite. Alors, attention, il est en deux parties. Et faut pas... Attention. Donc, le deuxième indice, c'est mon Pokémon préféré. Voilà. C'est mon Pokémon préféré. Donc attention, il y a encore une partie, hein. Faites pas, ouais, attention. Oui, pour une fois, voilà, on va dire que, moi, bah, je sais pas. Ceux qui regardent les vidéos, je pense qu'ils auront aucun problème de le savoir. Donc voilà, hein, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je vous ai pas fait, moi? Donc ça, c'est fait. Noble Victoire ensuite, qui est une série vraiment pas mal. Moi, je l'aime bien. Elle est assez chouette. Franchement, elle est assez chouette. Il y a quelques petits exemples. Ah, c'est toujours autant magique, vous avez vu. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il y a de l'explosion plasma, où il y a pas mal de secrètes aussi. Non, mais c'est surtout celle-là. Là, franchement, la secrète, bon, la Dracaufeu, quoi. L'explosion plasma.
Donc en noir et blanc, hein, tout le temps, hein, bien entendu. Voilà. Donc j'espère au moins que ça va vous plaire. Là, c'est vraiment, ouais, c'est votre journée, vous choisissez tout simplement. Et Destiny Futur, qui est une série aussi que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, vous avez compris pourquoi. Donc du coup, voilà, écoutez, bah moi j'ai déjà plus rien à dire. C'est vraiment très très court aujourd'hui, mais on fait pas d'ouverture ni rien du tout. J'adore cette série Destinée, je l'adore. J'aimerais bien ouvrir ce booster. Voilà, on en a beaucoup d'autres, hein, vous le savez, hein, c'est vraiment pour vous. Mais celui-là, j'aimerais bien l'ouvrir en fait. Ah là là, j'aimerais bien l'ouvrir. Non, je l'ouvrirai pas. Je l'ouvrirai pas. Dans la mesure du possible aussi, vous pourrez très bien demander votre illustration, donc parmi les quatre. Donc là, forcément, il n'y a pas que Lugia, il y a aussi Simiabraz, Léopardus, je crois, ou un chimpanzé. Non, Simiabraz, Léopardus, Lugia, et j'ai plus le dernier. J'ai plus le dernier. Ah, voilà, c'est top. Voilà, au moins, on aura vu le dernier. Du coup, écoutez, on va déjà arrêter là, hein. On va déjà arrêter. J'en profite pour vous rappeler que lundi, c'est donc la troisième journée du championnat Chaos contre Desi. Donc voilà, les paris sont fermés, hein, donc on verra bien comment ça va rendre donc pour lundi. Et du coup, je vous montrerai lundi ce que vous pourrez gagner parce qu'il restera encore une journée après celle-ci. On ne sait pas encore ce qu'on va vous faire. On aura le temps de vous le montrer en vidéo de toute façon. Et du coup, demain, c'est encore un display SL2. Donc là, c'est une ouverture en duo. Voilà. Et dimanche prochain, pareil. Ça fait beaucoup de soleil et lune, mais en général, quand il y a le début d'une série, on y va, quoi. Franchement, on y va. Donc, dans 2 semaines, du coup, vous aurez de nouveau le rythme habituel, soit le retour de Brocante, soit le display. Faut encore qu'on termine le display offensive vapeur, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais bref. Donc, du coup, voilà. Bah, écoutez, nous, on va y aller. Je tiens aussi à m'excuser à beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Je voulais parler de beaucoup de personnes. J'ai pas pu. J'avais préparé des vidéos, elles ont totalement cramé. Du coup, voilà, j'ai un petit coup au moral, mais c'est pas grave. Je vous oublie pas, franchement, je vous oublie pas. Je parlerai de vous tous dans une autre vidéo, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, là, vous voyez, il y en a quelques-uns. Je reviendrai plus en détail sur vous, il n'y a pas de problème. Franchement, vous êtes super. Et du coup, bah, nous, on va s'arrêter là. Donc, je vais vous donner le dernier indice, pardon. Mais je ne peux pas redire le deuxième indice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le troisième indice, c'est soleil et lune. Voilà. Donc, vous avez tous les indices. Normalement, pour ceux qui regardent les vidéos, franchement, ça posera pas de problème et je sens bien les très bonnes réponses venir très, très, très rapidement. Du coup, bah écoutez, bah moi je vais vous laisser. Comme d'habitude, les 5 premiers qui mettent la bonne réponse seront qualifiés pour le tirage au sort. Je ne dirai plus que c'est bon ou que c'est pas bon. Je ne dirai plus rien et le résultat sera demain à la fin du display SL2. Voilà, bah écoutez, bah j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser également vos questions pour la petite FAQ qu'on vous prépare, parce que sans questions, compliqué de préparer une FAQ quand même. Et puis voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain, vu qu'on se retrouvera demain dans une ouverture en duo en compagnie de Desi pour un nouveau display SL2, donc comme je vous l'ai dit. Voilà, donc portez-vous bien, profitez à fond de votre passion. Allez, salut à tous.